plusieurs personnes qui vont être invitées. Il va y avoir des nouveaux membres également. Ça va être débouché, il va y avoir des cocktails. Ça va être du réseautage. Je suis très content. Je vais vous envoyer d'autres choses tantôt. Bonsoir. Ce soir, c'est le rendez-vous annuel du début d'année. Alors, c'est l'incontournable cocktail des présidents. C'est vraiment l'occasion de remercier tous les présidents actuels et ceux qui ont passé dans l'histoire de la Chambre. Les manteaux vont juste ici dans les échelles. Ce soir, nous sommes environ 120 personnes réunies. C'est sûr que la raison première d'une chambre de commerce, c'est le rayonnement de ses membres. C'est de créer des occasions pour le réseautage, de créer des opportunités. Alors, ça fait dans un cadre agréable, fort sympathique. Et puis, on aime que les gens se rencontrent, échangent aussi, partagent et qui sait, découle sur des contacts à long terme. Nourrir la pensée là, régionale, le courrier, l'éclairage. Gestion technologique agricole, mon français agricole, exploita. Ça joue dur, ça joue dur. La neige revient à la mode. À chaque 20 ans, c'est le vieux revient. Ça joue 15 000 personnes. C'est que les autres sélections avaient juste 20%, 25% des bords. Ça fait en sorte que tu vends des bords, des projets. Fait que ça, ça rend du gros sur la table. Il y en a là-dedans, c'était que des financiers. Fait que ça. La part et le support des conseils d'administration, des présidents et présidentes qui, année après année, travaillent au rayonnement de la Chambre de commerce, un événement important. Puis pour nous, c'est excessivement essentiel de souligner ce travail-là. Alors, le cocktail des présidents, c'est vraiment l'occasion de se réunir, d'être tous ensemble, de souhaiter encore une fois bonne année. Et c'est vraiment le rendez-vous de la communauté d'affaires, le premier rendez-vous de l'année. Cette année, ça marque la fin du 130e anniversaire. Et pour l'occasion, on avait la chance de recevoir le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, M. Charles Mignard. Alors, c'est pour cette occasion-là qu'on a déroulé le tapis rouge avec grand plaisir. La Fédération regroupe toutes les chambres de commerce au Québec. Il y en a plus de 125. Alors, la Chambre de Saint-Hyacinthe est une des membres fondatrices du réseau il y a plus de 115 ans. Alors, on vient soutenir l'équipe de Lucie Guillemette ce soir à l'occasion du cocktail du président. Je suis très heureux de voir plus d'une centaine de personnes rassemblées ici ce soir parce qu'après la pandémie, on se demandait s'il y avait encore une valeur à avoir des événements présentiels de réseautage. Force est de constater que c'est ce qu'on a besoin comme entrepreneur dans nos milieux d'affaires pour réseauter puis développer des nouvelles opportunités d'affaires. Alors, ce soir, c'est un bel exemple de la vitalité du réseau de chambres au Québec. Distingués invités, bienvenue au cocktail des présidents. D'abord, permettez-moi de souligner la présence du président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Charles Mignard. Nous sommes bien reconnaissants de vous compter parmi nous ce soir, mais surtout de pouvoir compter sur votre soutien et appui dans tous les projets de la Chambre. Nous avons passé une partie de l'après-midi ensemble et M. Mignard m'a confié que Saint-Hyacinthe est devenue sa nouvelle ville préférée au Québec. Ce n'est pas peu dire. D'ailleurs, certains le savent déjà, d'autres non, la Chambre de commerce ainsi que celle de la Vallée du Richelieu auront l'honneur d'être les hôtes du Gala des chambres de commerce de la FCCQ qui aura lieu en mai prochain au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est une autre belle occasion de faire découvrir notre belle ville.
Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous nous retrouvons dans un lieu particulier, la bibliothèque Théa Saint-Germain. Pour notre organisation, le milieu des affaires et la culture vont de pair. C'est pourquoi la Chambre s'est engagée dans ce projet structurant en tant que donateur. Merci à André Bourgard, maire de Saint-Hyacinthe, ainsi qu'à l'équipe de la bibliothèque pour leur accueil. La Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, c'est plus de 130 ans d'histoire. Parmi les 5 plus vieilles chambres de commerce du Québec, une des 13 chambres fondatrices en 1909 de la Fédération des chambres de commerce du Québec, 2 présidentes et 69 présidents, c'est des histoires de famille avec messieurs Marcel et Claude Laroche, père et fils. C'est 6 présidents qui ont été élus maires par la suite, notamment M. Simon Giard, M. Claude Corbeil. Tous ces présidents ont façonné l'image de la Chambre et en ont fait l'une des plus dynamiques et des plus grandes chambres de commerce du Québec. Chacun d'entre eux, à leur façon, a contribué à bâtir le Saint-Hyacinthe économique et sa grande région que nous connaissons maintenant. J'aimerais que nous prenions quelques instants pour remercier chaleureusement ces personnes pour leur importante contribution et leur engagement. Je les inviterai à se joindre à moi lorsque je les nommerai. Merci de conserver vos applaudissements pour la fin. Je demande Jacqueline Rainville, René Vincelette, Claude Corbeil, Jean-Luc Couture, André Brochu, Gilles Joyal. C'est ce que j'ai sur ma liste. S'il y en a d'autres qui sont présents ce soir, merci de venir. On peut les applaudir maintenant. Ce soir, nous soulignons votre travail et celui de vos collègues qui, au fil des années, a permis à la Chambre de rayonner et de devenir un acteur important dans le monde des affaires mascoutins. C'est un grand honneur de vous recevoir. Au nom des membres et au nom de ceux et celles qui ont bénéficié de votre implication, merci. Ces présidentes et présidents étaient appuyés d'un conseil d'administration travaillant en équipe dans l'intérêt de la communauté d'affaires mascoutaines. Je veux souligner leur engagement et leur rapport essentiel à la Chambre. J'en profite pour remercier mes collègues du conseil d'administration que j'inviterai à se joindre également à moi. J'invite Audrey Blouin, Éric Archambault, Daniel Massicotte, Michel Charbonneau, Benoît Bienvenu, Mélanie Couture, Éric Deveau, Éric Leblanc et Sylvain Gervais. Là, à ma droite. Une belle photo. J'en profite également pour remercier chaleureusement Sylvain Gervais, directeur du développement commercial à Saint-Hyacinthe Technopole, qui quittera prochainement ses fonctions pour poursuivre une nouvelle aventure, celle de la retraite. Son implication, son dévouement, son soutien et sa générosité ont assurément marqué notre communauté d'affaires et ont grandement contribué au développement commercial de notre région. Mon petit doigt... Oh! Ouais, on peut applaudir tout de suite. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. C'est que mon petit doigt m'a dit que ça allait être une retraite active à suivre dans le courrier de Saint-Hyacinthe. Faut également souligner vous tous, chers membres, qui depuis 130 ans, grâce à votre engagement constant, contribuez au dynamisme et à la notoriété de la Chambre, votre Chambre. Et en terminant, nous avons reçu la semaine dernière, dans une activité de la Chambre, Jovanka Charbonneau, économiste de la BDC. Je veux donc vous partager qu'on nous annonce un été chaud et humide, avec un début de baisse de taux directeurs qui devrait atteindre les 3,5% vers 2024. Donc, les bonnes nouvelles comme ça, on aime ça. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Donc, encore une fois, un grand merci de votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée en bonne compagnie. Un grand merci. Merci. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, je suis effectivement président de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui rassemble toutes les chambres de commerce au Québec. Il y en a 125. Alors, c'est pas rien, c'est tout un réseau à animer. Et je veux souligner l'implication, puis j'allais dire résilience, mais je pense que ça te fait plaisir de tout ce que tu fais, de Lucie et de Vincent. C'est pas toujours facile dans le milieu associatif de mobiliser tous les gens
Et je pense que ce soir, c'est le témoin que vous êtes dynamique comme chambre de commerce. Alors vraiment, je bonne main d'applaudissements pour Vincent et Lucie. Je veux aussi remercier les présidents et la présidente sortante qui sont ici avec moi aujourd'hui parce que s'impliquer dans le réseau, oui, c'est être membre, oui, c'est payer sa cotisation, mais c'est être présent aussi. Le réseautage, il vient de la rencontre entre les humains. Alors, de voir que vous avez été impliqué, mais que vous êtes encore là, pour moi, c'est extrêmement porteur. On a besoin d'avoir des chambres de commerce très fortes au Québec. Je le mentionnais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'aller chez Benoît Chartier pour le courrier, entre autres, pour parler de notre tournée. C'est important qu'on ait des chambres de commerce fortes parce que c'est une voie privée et indépendante qui nous permet de critiquer les gouvernements, de proposer des solutions. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes publics, parapublics au Québec, mais il y a très peu d'organisations qui sont indépendantes. Nous, vous savez, les chambres de commerce, c'est un modèle plus anglo-saxon où la contribution ou la participation est volontaire. Ça veut dire que les gens qui sont là le sont parce qu'ils veulent bien l'être. Alors, c'est important de garder ça très vif. Puis, vous le savez mieux que moi, en fait, mais la Chambre de commerce de la Grande Région de Saint-Hyacinthe a 130 ans, donc même 131 ans pratiquement. C'est une des plus vieilles chambres au Québec. Alors, quand on dit que le développement économique, tout ça, Montréal, Québec, c'est beau, mais il y a des chambres de commerce en région qui ont été cruciales dans le développement du Québec francophone, du Québec Inc. en français, puis Saint-Hyacinthe est un de ces excellents exemples-là. Et c'est un des membres fondateurs, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, du réseau de chambres de commerce. Alors, c'est très, très important qu'on reste soudés. Oui, c'est important d'avoir des événements, mais c'est important aussi d'avoir une voix sur des enjeux qui sont importants pour d'avoir une voix importante sur tous les sujets qui sont importants pour les entrepreneurs. Puis le but, dans le fond, c'est pour qu'on s'assure au Québec que ça soit attrayant, agréable et tentant de se partir en affaires, de prendre des risques et de réussir. Alors en ce moment, on doit faire attention, il y a un fardeau administratif qui est très, très important au Québec. Il y a des entrepreneurs qui ont la langue à terre, qui sont sur le bord de l'épuisement professionnel. On a des enjeux de transport, d'infrastructures. On a un débat sur l'immigration qui n'est pas toujours très sain. Alors, c'est important que les chambres de commerce donnent leur point de vue là-dessus parce qu'il faut qu'on ait des régions très, très fortes pour qu'on soit attirant pour les investisseurs étrangers, mais il faut aussi que vous, comme région, vous soyez attirant pour que les gens viennent investir ou viennent découvrir la région, que ce soit des immigrants, que ce soit des Québécois d'origine, et qui viennent voir les beautés qu'on a ici dans la région. Alors encore une fois, merci de votre soutien et bonne soirée. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.